Welcome, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, reçois pour le favor. Aujourd'hui, je viens te présenter mon tout nouveau pack de midi, qui est un pack qui va te permettre de pouvoir facilement t'améliorer dans tes compositions, que ce soit afrobeat, coupé décalé, dombolo, trap musique. Donc pour commencer, c'est quoi un pack de midi? Un pack de midi n'est rien d'autre qu'une somme de plusieurs notes que j'ai additionnées, des notes de plusieurs instruments qui peuvent varier, c'est-à-dire tu peux exporter des notes ou mettre dans un autre instrument. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux te dire. Tout à l'heure, je vais te faire une démonstration concrète pour te montrer ce que tu peux réellement faire avec ce pack-là. Donc, plusieurs personnes m'ont demandé à chaque fois, pour le favor, est-ce que c'est possible de pouvoir nous aider ou nous accompagner via tes projets FLP? Donc aujourd'hui, je viens avec la solution qui est bien plus meilleur que le projet FLP, parce que lorsque tu as les notes que j'ai utilisées, lorsque tu as la configuration que tu vas tout simplement copier dans le piano roll, il te sera assez facile de reproduire tous les instrumentales que j'ai déjà eu à faire. Donc j'ai fait non seulement des notes de guitare basse, j'ai fait des notes de guitare mute, j'ai fait des notes de guitare acoustique, voilà, donc j'ai fait des notes de balafon, même des notes de batterie, j'ai fait pratiquement tout ça. Et en bonus, j'offre aussi des samples de roulades, c'est-à-dire les différents roulements. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire des roulements. En bonus, j'ai mis des roulades en wave que ces personnes vont pouvoir tout simplement insérer dans leurs différents projets pour pouvoir facilement avoir de bonnes transitions. Donc, voici la petite démonstration du produit en question. Donc, je viens d'ouvrir un projet FL Studio. Assez simplement, j'ai envie de faire un beat afrobeat. Ok, donc je viens tout simplement ici sur la barre de la librairie, je sélectionne un instrument quelconque, open new channel, ensuite clic droit, piano roll, ensuite qu'est-ce que tu fais tout simplement ici. Voilà, donc suis maintenant les étapes concrètes qui vont te permettre de pouvoir exporter ou importer un projet MIDI. Tout simplement, tu viens là à file, import MIDI file. Donc ça veut dire ici, si tu veux exporter, tu cliques sur export parce que tu as déjà composé. Maintenant, si tu veux importer plutôt des fichiers MIDI dans ton piano roll, tu viens tout simplement import. Voilà, donc je vais au bureau, je sélectionne pack MIDI, voilà. Ensuite je viens sur batterie afrobeat, donc là il y a trois versions, je sélectionne n'importe laquelle. Voilà, je peux cliquer là, clique sur ouvrir. Tu vois directement, il charge les différentes batteries. Voilà. Donc là, je vais baisser le tempo. On va le mettre à 130. Voilà. OK. Donc tu vois, il y a plein de choses là, tu peux changer même. Voilà, donc ensuite tu peux importer une guitare mute. Il suffit tout simplement d'ouvrir DST. Voilà, on va ouvrir tout simplement Purity par exemple. Voilà, donc on sélectionne une guitare mute. Piano roll. File. Voilà. Import MIDI field. Maintenant que tu es là, tu sélectionnes par exemple guitare afrobeat. Tu sélectionnes n'importe quelle guitare ici. Maintenant, lorsque tu as une base comme ça, tu peux créer plein d'autres mélodies assez facilement, tout simplement en modifiant les différentes positions de chacune des notes. C'est assez facile. On va importer une autre guitare, par exemple, file, import, ok. Donc, tu viens ici, qu'est-ce que tu fais? Tu insères d'abord le Purity là. Ensuite, tu mets un peu de reverb. Tu mets un peu de delay bank. Voilà. Et tu réduis ici à 4. Voilà. Time. OK. Et maintenant, tu baisses le volume ici. Et maintenant,
Pareil, ici, tu peux toujours modifier les notes et faire une autre mélodie. Encore une note pour te montrer à quel point c'est facile. On va sélectionner cette fois-ci une guitare acoustique. Donc pareil, que ce soit une guitare acoustique, tu peux exporter les notes et la mettre dans une guitare mute. Tu peux mettre aussi dans une autre guitare qui n'a rien à voir avec une guitare mute. Ça va tout simplement jouer et générer les mêmes sonorités. Et maintenant, ça sera à toi de modifier et d'arranger encore plus tes sonorités à ta façon. C'est pareil, tu peux aussi importer des choses comme des brasses, par exemple. Tu cliques encore Security, par exemple, et ensuite tu sélectionnes une brasse quelconque là, ta brasse, voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Piano roll, voilà. On va muter d'abord la première mélodie. Ensuite, File, Import MIDI. Maintenant, on va sélectionner une brasse de la troisième brasse. Voilà, ouvrir. Voilà, tu peux choisir encore une autre. Voilà, donc il y a des 8-8 aussi. Tu peux sélectionner une 8-8, quelle qu'en soit la 808 que tu as dans ta librairie. On va prendre cette 808 ici. Voilà, piano roll. Donc maintenant, il y a plein de personnes qui ont des réels soucis avec les guitares. Ça sera assez facile si vous avez ce pack. Il vous suffit tout simplement de venir là et de sélectionner n'importe quelle guitare, par exemple. On va prendre. Guitare électrique. Voilà. Comme ça. Donc à base de cette guitare, tu peux modifier et avoir une autre guitare. Thank you.
fois insérer quelques roulades là pour voir. Ok, donc maintenant il y a des versions de Tam Tam aussi. Donc tu cliques pareil ici, ensuite import, tu t'envoies dans le dossier Tam Tam percussion. Tu sélectionnes n'importe quel Tam Tam là. Voilà, donc sur ce, je t'ai fait une démonstration de ce que tu peux réellement faire avec ce pack et ce qu'il peut vraiment apporter dans tes compositions. Si tu souhaites bénéficier de cette offre magique, pouvoir télécharger ce pack de MIDI, je t'invite à cliquer tout simplement dans le lien dans la description. Tu saisis juste ton email et je t'envoie la démo du pack. Maintenant, pour ceux qui vont vouloir la version complète avec tous les différents MIDI que j'ai passé des semaines et des jours à faire, tout simplement cliquez sur le tout premier lien pour pouvoir valider l'achat et recevoir le premier pack. Donc si c'était pour le favor, si tu as une question, laisse un commentaire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, partager cette vidéo. Ciao.